Revenant d'Arabie Saoudite où il a été désigné membre de la Ligue islamique mondiale, le très influent et très politique Imam Diko est rentré samedi 14 janvier au Mali où il a été accueilli par des centaines de ses partisans. Mais sur la route du retour à l'aéroport, les forces de l'ordre ont dispersé le cortège à coups de gaz lacrymogène. On revient avec nos invités pour la suite de votre émission, Sami Ourosama Ella, Donatien Awesso et Germain Pouli. Alors, Donatien, on vous retrouve. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel comportement? La peur. Je vais débuter ainsi pour dire la peur. Je suis très peiné d'apprendre cette information venant du Mali, qui est actuellement géré par le respecté colonel Assimi Goïta, qui inspire confiance à la jeunesse montante, surtout les jeunes officiers sur le continent, surtout au niveau de la CDAO, mais que ce soit dans son pays, qu'un cortège d'un imam issu des tirs de gaz lacrymogène, franchement, j'ai été déçu un tout petit peu. Je ne sais pas quelle raison il nous donnera. La raison, bien, est-ce que l'imam est allé payer des fusils d'assaut en Arabie Saoudite pour rentrer dans le pays et on voudrait l'arrêter? Sûrement, c'est compte tenu de ses prises de position qu'on a voulu l'intimider pour voir. L'imam n'est pas le seul homme religieux à s'immiscer en politique. Je ne sais pas la raison pour laquelle les gens disent que les religieux ne font pas de la politique. Qui ne fait pas? Jésus était un grand politicien. C'est la raison pour laquelle il a été abattu. Parce qu'il empiétait sur les intérêts des grands prêtres. Arrêtons de vouloir dire aux gens que un religieux... Que la place du religieux voilà, est ailleurs. C'est qu'un religieux ne doit pas donner des directives politiques étant dans sa fonction de religion. C'est comme aller dans une église et dire aux gens, vous devez voter si, vous devez voter tel. Non. Mais vous devez sensibiliser les gens à aller voter. Et c'est à eux de faire leur choix. Peut-être à aller voter un changement. Parce que peut-être ça ne passe. Prenez le cas de l'Afrique du Sud. Le Desmond Tutu. Le prix Nobel de la voilà, l'archevêque anglican qui s'est impliqué corps et âme en période d'apartheid. Prenons la RD Congo, l'archevêque Laurent Monsengo. Nous allons pas aussi parler de notre pays, le Togo. Le Bénin d'abord, lors de la conférence nationale. Monseigneur de Souza. Et au Togo, vous savez qui a eu à être choisi? Philippe Fanoko Bojro. Donc, c'est pourquoi même au niveau de la CVJR, on a choisi un homme religieux et pas un juriste ou bien un journaliste. C'est parce qu'on a pensé que ces genres de personnes ont une certaine hauteur d'esprit, comprennent et transcendent certaines considérations. Et l'imam Diko qui rentre, on l'accueille avec des tirs de gaz lacrymogène. Je ne sais pas l'intention, ou bien ce sont, je peux le dire entre guillemets, des éléments incontrôlés de la gendarmerie ou de la police qui auraient fait cela sans l'accord d'Assimi Goïta. Ça peut être ainsi aussi. Et on a aussi des généraux, des colonels qui prennent des décisions dans leur coin et puis ils vont s'expliquer après. Alors, si c'est ça, le président Assimi Goïta ne maîtrise pas la situation. Est en danger, je dirais. Donc, je n'ai pas apprécié ce qui est arrivé à l'imam Diko compte tenu de ses positions. Parce que l'imam Diko disait ne pas donner carte blanche à la transition. Il ne faut pas laisser les militaires seuls gérer le pouvoir, mais passer en négociation, en discussion, en dialogue avec les corps constitués des civils. Donc, je pense que Assimi Goïta doit revoir encore son papier et ne plus s'exhiber ainsi devant la face du monde avec l'image là. J'ai pas apprécié. Il nous suit, nous vous respectons, colonel Assimi Goïta, mais de grâce, ne vous mettez pas sur ce sentier-là. Alors, Sami Ourosama, on sait que l'imam est très influent dans son pays ces derniers temps. Semble-t-il être très gênant. Alors, on peut vite comprendre ses prises de position. Et c'est sans doute ce qui a poussé les gens
à agir ainsi. Même au-delà de tout cela, je pense que la junte au pouvoir au Mali n'admet pas de contradiction. Ils ne sont pas à l'aise lorsqu'ils sont contrariés sur un certain nombre de... Vous voulez dire que ce n'est pas la première personnalité Mais bien sûr. Est-ce que vous savez ce qui se passe au Mali? Vous ne pouvez pas être au courant de tout ce qui se passe. Les gens pensent que toute la population malienne est derrière la junte. C'est faux. Il y a des gens qui sont mécontents. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la façon dont le pays est dirigé par la junte au pouvoir. Il y a aussi des gens qui dénoncent cela chaque jour. Les différents partis politiques de l'opposition, oui, bien sûr, les organisations de la société civile. Oui. Parce qu'au-delà de tout, moi je l'ai toujours dit, il ne faut pas faire du panafricanisme aveugle. C'est-à-dire que vous venez au pouvoir, vous dites que c'est à cause de l'insécurité, à cause du détournement de fonds, de la corruption qui mine l'administration publique, à cause du népotisme, à cause de toutes ces pratiques-là que vous avez dénoncées, vous vous levez un beau matin parce que vous avez la force de l'âme, vous prenez le pouvoir. Vous arrivez au pouvoir, vous gérez le pouvoir en dictateur. C'est-à-dire que c'est en contradiction on sait aussi que c'est avec ce qui se passe. Manifestation. Sinon, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une personne sort du pays dans le cadre religieux, il va à une réunion internationale qui regroupe tous ceux qui épousent la religion islamique, donc cette organisation-là qui est censée gérer la religion à travers le monde, et il se fait nommer à un poste au sein de cette organisation-là. Il rentre, ça doit être normal, une fierté nationale. Voilà, non seulement une fierté nationale, puisque tout le monde n'est pas musulman au Mali, il y a aussi des chrétiens, donc c'est du pluralisme religieux. Donc il y a ceux qui sont des musulmans, qui ont voulu manifester leur joie de voir un fils du pays qui a été honoré à l'international. Donc ils sortent pour l'accueillir. C'est tout comme tu quittes ton village, tu vas en ville. À un moment donné, tu vas en Europe, par exemple. Tu as réussi ta vie. Et tu reviens. Et tu reviens. Tu as fait de grandes études. Parce que dans votre village, personne n'a jamais dépassé le grade de docteur. Mais tu arrives chez les Blancs, tu arrives à décrocher ton doctorat en médecine. Tu rentres, c'est une fierté pour le village. Tout le village sort donc pour t'accueillir. Doit être une fierté pour et le chef de village dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Et on vous lance les gaz lacrymogènes comme si vous étiez des voyous, des bandits. Ces gens-là, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de foutre. Mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui doit éveiller la conscience des Maliens par rapport à ce qui se fait aujourd'hui par la junte au pouvoir. Ils sont là pour garder le pouvoir. Il faut que les gens le sachent aujourd'hui. Non, ils ont ces gens-là sont là le pour garder. Ils ont promis de laisser le pouvoir. On est là. Vous allez voir. Le gars, il va encore se représenter. Il va se représenter. Ce n'est pas un procès d'intention. Mais c'est ce qui va se passer. Lorsqu'il va, il va se rendre compte que la transition est en train d'arriver à sa fin et qu'il faudrait organiser les élections, il va démissionner. Ou il va peut-être prendre une loi. Il va se doter d'une loi qui lui permet de se présenter, comme ce fut le cas par exemple au Tchad, où le jeune général peut se représenter également. Nous allons voir le même scénario au Mali, parce que quand tu arrives au pouvoir, tu as le goût du pouvoir. C'est ce que les gens, il faut qu'on explique aux gens, le pouvoir c'est doux. Quand tu arrives, tu as tous les privilèges. Regardez Assimi Goïta qui arrive et tout le monde se met au garde-vous. Il a tout le cortège derrière lui. Vous imaginez, la demeure est protégée. C'est-à-dire que c'est l'homme le plus influent du Mali. Ça, il n'a jamais rêvé qu'il allait avoir ça. Mais pas la force de l'arme. Pas la force de l'arme. Le gars, on l'a parachuté à un moment donné. Il s'est retrouvé à la tête d'un pays. Il ne s'attendait pas. Normalement, il doit rendre grâce à Dieu. Mais je ne sais pas ce qui se passe véritablement. Alors, Gervais Pouli, on peut comprendre facilement Sami Orosama, même si je pense qu'il est un peu dur, mais on peut le comprendre parce que ce n'est pas la première fois qu'on essaie de bâillonner toute voix qui critique le pouvoir en place à Bamako. On a vu avec les membres de la société civile arrêtés, relâchés plus tard. Ce n'est pas la première fois. Et on voit les positions de l'imam Diko. Cela peut expliquer ce genre de comportement. Non, jusque-là, on ne sait pas si l'ordre vient d'en haut. Pour qu'on envoie des gaz lacrymogènes au cortège de l'imam Diko qui rentre d'un voyage où il est allé se faire élire au sein d'un comité mondial important, en tout cas dans le domaine religieux. C'est un honneur pour le Mali, comme l'a dit Orosama tout à l'heure. Mais après, si l'ordre ne vient pas d'en haut, peut-être qu'on devrait s'attendre à ce qu'on retrouve ceux qui l'ont fait et à ce qu'on les sanctionne. Mais après...
Je ne suis pas d'accord aussi quand on décrit Goïta comme, je ne suis pas vraiment fan de lui, mais quand on le décrit comme il n'aime pas l'opposition, les contradictions et tout ça. Non, vous savez que Imam Diko est pratiquement le co-auteur du coup d'État avec Goïta. Ah, c'est pas un individu ordinaire, hein, c'est lui qui a lancé les manifestations qui ont amené les militaires à faire le coup d'État, et il l'a fait sachant bien que ça allait finir par un coup d'État. Il sait comment la société malienne fonctionne, il connaît son influence, et c'est lui qui a chassé le président. Donc c'est pas les militaires, à la base c'est lui. Donc quelque part, c'est quelqu'un qui a un pouvoir au-delà du religieux, il a un réel pouvoir politique. Politique. Et il peut arriver comme tel que les gens le traitent comme un adversaire politique. Donc j'ai écouté Donatien donner des exemples de prélats, sauf qu'il les a tous mis dans le même sac alors que tous n'ont pas joué le même rôle. Hein. Quand on prend Monseigneur de Souza au Bénin, il a joué un rôle parfait, il a suivi une transition réussie, ce qui n'est pas le cas de Kodjo ici qui a raté, qui a raté déjà la transition. Kodjo est l'une des bases de la transition bâclée qu'on a connue au Togo parce qu'il n'a pas eu cette neutralité-là, et cette force-là de se mettre au-dessus de la mêlée, ce qui a été le cas pour Monseigneur Dessouza au Bénin. Desmond Tutu, c'est dans un autre contexte carrément. Il s'agissait des injustices, il s'est mis en avant, il a combattu, mais quand on prend le prélat en RDC, là aussi il prend des gaz lacrymogènes. Et lui, il a même failli être candidat à la présidentielle. De la même façon pour Imam Diko, on lui a proposé même la présidence après Ibeka. N'oubliez pas qu'il a quand même un mouvement politique, même s'il ne joue pas un rôle dans ce mouvement, donc le collectif des mouvements associations sympathisants d'Imam Diko, qui a un réel pouvoir politique. Donc c'est une force politique dans le pays et comme tel, les gens peuvent le traiter comme un acteur politique. Je ne pense pas qu'il soit le seul imam du Mali. Donc, les autres imams, je ne pense pas. Mais c'est vrai que, en face de la force militaire, on a besoin d'une certaine force de la société civile. Là, moi, je le prends comme quelqu'un de la société civile, dans ce cas-là, qui a taxé ces militaires-là d'arrogants. Il dit que le problème du Mali résulte de l'arrogance de la junte qui est au pouvoir et de l'orgueil de la communauté internationale. Il essaie de situer les responsabilités, ça c'est vrai, mais c'est pas un personnage aussi neutre. C'est quelqu'un d'influence, c'est quelqu'un qui a de l'impact sur la scène politique, c'est quelqu'un qui peut amener des changements sur la scène politique, et c'est un acteur politique déguisé. Et là, même se revient le pouvoir et le rôle de l'Église dans des pays où on dit c'est le pays est laïque. Mais quand vous voyez, il parlait de Monseigneur Kodjo qui va dans une église, qui intronise un candidat à une élection présidentielle dans une église à Lomé, ce n'est pas le rôle de l'église, ça. Il n'est plus en fonction. Non, ce n'est pas le rôle de l'église. Tous les pasteurs pourraient le faire, les imams pourraient le faire, les bouddhistes et tout ça, mais ce n'est pas leur rôle. Maintenant, il y en a qui se donnent ces libertés. Et c'est pour ça que parfois ils reçoivent des coups. Donc ne soyez pas surpris que Imam Diko soit considéré comme un adversaire politique. Parce qu'on connaît son influence sur le terrain politique. Et moi je dis qu'il est le co-auteur du coup d'État qui a emporté Ibeka. Parce que s'il n'avait pas conduit ces manifestations-là, il est le même d'ailleurs qui l'a aidé. Alors si on connaît son influence, Germain Pouli, et là Samir a raison, les gens ont envie de garder le pouvoir. Parce que là, ce n'est qu'une transition. Ils ont envie déjà de protéger le pouvoir. D'abord, ils n'ont pas un pouvoir légal. Et même ont peur en permanence parce qu'ils n'ont pas gagné l'élection. Même s'ils l'avaient gagné comme Ibeka, on peut toujours aussi les chasser. Puisque Imam Diko a fait élire Ibeka en 2013. Il a battu campagne pour lui en tant que religieux. Il l'a fait élire. Et c'est lui qui l'a chassé avec l'aide des militaires. Donc, c'est quelqu'un qui est influent sur le plan politique et on ne peut pas ne pas considérer ça. Et quand depuis deux ans,
Il manifeste son opposition à ce pouvoir. Même le projet de constitution dont on a parlé une fois ici, il est entièrement opposé. Mais sa voix porte plus que celle des opposants. Et aujourd'hui au Mali. Ce qui est encore bizarre, c'est que nous ne connaissons pas le contenu de ce projet de constitution. Oui. Donc, il y a des choses peut-être qui sont prévues par moi, sur ce projet, je disais que Assimi Goïta n'a pas intérêt à foncer droit dans le mur. Il faut qu'il y ait un large consensus possible. Il faut en parler justement de vote. Il faut qu'à la fin de ce référendum, qu'on observe que c'est une large majorité des Maliens qui ont voté ce projet. Mais après, moi, je ne suis pas surpris que les autorités aient tendance à le traiter comme un homme politique, parce qu'il a une réelle influence politique. Mais après, j'estime, j'imagine que Goïta n'est pas directement mêlé à ce qui est passé. Si tel est le cas, qu'il fasse la lumière sur ces événements et que ceux qui ont balancé ces gaz lacrymogènes-là soient interpellés et sanctionnés, parce que, bon, il reste quand même une autorité à la fois religieuse et politique, il reste une figure influente qui a quand même une grande partie de Maliens derrière lui et qu'il ne mérite pas ce qui s'est passé avec son arrivée. Je pense que même sur le plan international, les autres membres qui ont été élus en Arabie Saoudite, quand ils rentrent chez eux, on les acclame jusqu'à la maison. Et ici, qu'on disperse des gens, qu'ils soient obligés de contourner, de se retrouver à son domicile, je pense que pour l'image de la junte, c'est vraiment pas bon et qu'il faut pouvoir situer les responsabilités et punir les gens s'il le faut. Moi, j'étais juste derrière l'imam dans la voiture. Ce sont les propos de Youssouf Diawara, coordinateur général de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Diko. Il y a des gaz qui ont frappé la voiture de l'imam. Des gaz sont même rentrés dans la voiture. Nous sommes sûrs que cela vient des forces de l'ordre. Il y avait des véhicules du GMS, groupement mobile de sécurité, unité de la police malienne. La garde nationale était aussi là. Il était assez nombreux. Alors, Donatien, à partir de ce témoignage, on peut dire qu'il y a un peu la responsabilité des gouvernants, même si on ne peut pas parler tout de go, du président Assimi Goïta. Oui, c'est ce que je disais. Hein. Il pourrait y avoir des brebis galonnées, galeuses. Des brebis galonnées, galeuses, qui se prêteraient peut-être à ce jeu-là, pour peut-être faire peur à l'imam Diko et plaire au pouvoir de la junte. Mais moi, je voudrais croire que cela ne proviendrait pas d'Assimi Goïta et de son entourage, que ce soit peut-être un colonel qui aurait voulu peut-être plaire, un colonel, un commandant, un capitaine qui aurait voulu plaire à Assimi Goïta. Mais pour un soldat de troupes. Un soldat de troupes qui peut commander et une garnison. Un gendarme. Oui, mais c'est très sérieux. Je veux laisser ici un bénéfice de doute sur la responsabilité des gouvernants. Goïta, que nous connaissons, je n'ose pas croire qu'il donnerait l'ordre là, mais s'il avait donné ce ordre là, ça me gênerait beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui a apporté, je peux dire, un 109, qui a tenu face à la CEDEAO, qui a tenu face à la Côte d'Ivoire. À l'ONU. À l'ONU, oui, avec son ministre, je crois, des affaires étrangères. De l'administration territoriale. Voilà, donc ici, moi, je voudrais qu'on puisse, que Goïta puisse s'exprimer et nous faire sortir. Il parle peu. Il parle peu, mais quand il parle, ça a un poids. Donc qu'il nous fasse sortir ceux qui ont commis ce forfait sur cet homme qui devait être porté en triomphe du retour d'Arabie Saoudite, où le Mali a été porté au pinacle, je peux dire ainsi. Ça doit être un événement à célébrer, mais que la personne soit renvoyée comme un vulgaire n'importe qui, si je peux le dire ainsi, ça ne me plaît pas du tout. Que le Mali ne sombre, parce que le Mali, on le dit, c'est à un tiers gouverné. Si ce pays est à un tiers gouverné et on se permet de faire cela encore, je peux dire, dans la capitale, alors qu'il faudrait s'atteler au nord,
et aux endroits qui sont dans les mains des terroristes. Si on se met encore à jouer à ce jeu-là, encore à créer des scissions dans la population, oui, il faut une symbiose nationale pour pouvoir conduire à terme cette transition. Je pense que c'est mal parti pour cette junte. Et j'ose croire, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on ne me prouve que Goïta en est l'auteur, que je donne le bénéfice du doute, que ça pourrait être une brebis galeuse qui aurait fait cela juste pour plaire. Alors, Sami Ouro, on va exploiter une partie du développement de Germain Pouli qui dit peut-être qu'on fait ça pour faire peur à l'imam Diko, sauf que peut-être sur ce plan, on ne le connaît pas assez. C'est quelqu'un qui n'a jamais peur. Bien sûr, c'est quelqu'un qui n'a jamais peur. Et c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par les affaires politiques. Du moins, politiquement parlant, il n'est pas intéressé par des postes politiques. Sinon, il y a longtemps qu'on aurait pu le retrouver. Comme Germain l'a dit, poste politique. Il avait la possibilité. C'est quelqu'un, et comme c'est la même chose au niveau des religieux, qui sont pour... si je peux le dire ainsi, un bon traitement des populations. Il faudrait que dans le pays, que les choses soient bien gouvernées. C'est des gens qui ont des valeurs, des principes et qui sont soucieux du bien-être des populations. Donc, quand ils constatent qu'il y a des dérapages, quand ils constatent qu'il y a des détournements de fonds, quand ils constatent un certain nombre de maux dans la communauté, dans la société ou au sein de la population, ils attirent l'attention des gouvernants. Mmh. Ah, vous êtes sur un mauvais chemin. Si vous ne faites pas attention, vous risquez tant. Et c'est ce qui s'est passé avec Ibeka. Malheureusement, le gars, il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté et il a lancé des mouvements. Chaque vendredi, les gens marchaient à Bamako. Et ça a pris véritablement parce que la population était désespérée. Les gens étaient fatigués par cette mauvaise gouvernance, par cette corruption qui gangrenait la société malienne. Je voudrais rebondir sur les propos de Donatien, du doyen Pouli. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que M. Assimi Goïta est au courant de tout ce qui se passe. Il faut dire les choses par leur nom. Le gars, il est au courant. Il est, avant d'être chef d'État, président de transition, il est après tout un militaire. Et on sait comment cela se passe au niveau de ce corps-là. On sait que dans l'armée, c'est la discipline, c'est la hiérarchie. Et par exemple, pour sortir du matériel militaire, comme du gaz lacrymogène, mais tu dois recevoir des ordres. Les ordres sont échelonnés. Donc, le gars, il est chef suprême des armées. Si, à un moment donné, on nous dit qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe dans son pays, qu'il n'est pas au courant qu'il y a une foule qui a été sauvagement gazée par du gaz lacrymogène, je suis désolé, ça veut dire que ces gens-là, ils ne sont pas crédibles. On ne peut pas leur faire confiance pour gérer toute une nation. Si Goïta n'est pas au courant de savoir ce qui se passe, Ça veut dire qu'il ne maîtrise pas la situation. Et puis, vous savez ce qui se passe même, c'est sur la route de l'aéroport, un point stratégique où on gaze les gens et on nous dit que le gars, il n'est pas au courant de ce qui se passe. C'est dangereux pour le pays. Non, loin de là où les 49 militaires ivoiriens ont été pris. Exactement, ça veut dire que le gars, en réalité, c'est un véritable problème pour la cohésion sociale, pour la sécurité du pays. Non, c'est pas trop dur, Sami. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le colonel Assimi Goïta est au courant de ce qui s'est passé. Et je peux même présumer qu'il est l'auteur même qui a donné l'ordre pour qu'on gaze le cortège ou la foule qui est allée accueillir. Parce que, vous l'avez évoqué, le gars, il n'est pas en bon terme avec l'imam. Il n'est pas en bon terme. Le gars les a dit, il les a dit que le projet de référendum, ce n'est pas ça leur préoccupation. Ce n'est pas ça le rôle d'une transition. De laisser tomber cette affaire-là. Vous pensez que c'est une vérité? Non, bien sûr. La transition, c'est quoi? La transition, c'est de gérer les affaires courantes, de rétablir l'autorité de l'État et, comme eux-mêmes ils l'ont dit, de faire en sorte que la sécurité revienne dans certaines parties du Mali et que les populations regagnent leur territoire. Maintenant, ils sont là. Sauf que le problème sécuritaire, il est toujours là. Mais il est toujours là. Non, attendez, il est toujours là. Mais il ne s'occupe pas de cette problématique-là majeure qui a fait perdre 40% du territoire au Mali. Mais il s'occupe d'une question. Je ne vois pas l'importance d'une question constitutionnelle. Il faudrait doter le pays d'une nouvelle constitution. Pour quelle destinée? Pour quelle fin? Si ce n'est pas pour garder le pouvoir.
pour quelle fin? Parce que je ne comprends pas. Quelle est cette urgence-là qui nécessite à ce qu'on change la constitution d'un pays? Est-ce que la constitution qui existait, c'était ça le problème? C'était ça qui était à la base de la corruption qui gangrenait l'administration publique? Est-ce que c'était ça qui était à la base de la mauvaise gouvernance? Moi, je ne trouve pas. C'est une question d'homme, de volonté, d'intégrité. Et ce qu'ils sont en train de montrer aujourd'hui, je parle de la junte au pouvoir. Et après, je souhaite qu'il y ait de l'audit complet de ce qui a été fait durant leur passage à la tête de l'État pour voir comment est-ce qu'ils ont géré les fonds publics, comment est-ce qu'ils ont géré les deniers publics. Parce que pour moi, c'est trop facile de dire que les gens gèrent mal le pays, que les gens n'ont pas eu cette volonté-là d'assurer la sécurité des Maliens et qu'on s'en retrouve parachuté à un moment donné de sa vie où on s'attendait même pas à être président. On se retrouve président et on reproduit les mêmes erreurs. On gère mal le pays. On fait détourner les fonds. On place les militaires un peu partout. Aujourd'hui, c'est les militaires qui détiennent le pays. Vous avez vu même au Burkina Faso, quand les militaires ont pris le pouvoir, le gars qui a fui pour se retrouver au Canada, il a volé de l'argent public. Aujourd'hui, il est recherché. Il est recherché. Ça veut dire que les militaires ne sont pas exempts de toute reproche. Ce ne sont pas des exemples aussi. Ils sont comme les êtres humains. Lorsqu'on se retrouve à un moment donné, à un poste donné, où il y a de l'argent qui coule, où on a un petit pouvoir, on profite de la situation. Parce qu'à un moment donné, on n'avait pas une vie luxueuse, on n'avait pas des avantages. Donc je pense que la junte au pouvoir est en train de mettre tous les artifices nécessaires, notamment pour conserver ce pouvoir-là, pour s'accorder un certain nombre de privilèges, et ensuite pour voir est-ce qu'il est possible, à un moment donné, de s'éterniser au pouvoir. Donc il est en train d'organiser la pré-transition. C'est pas sûr que Germain Poul le voit. Germain, récemment même, ça doit être, ça fait 48 heures, trois gendarmes maliens ont été abattus, même si en face... il faut dire que l'armée malienne aussi a fait de bonnes choses en mettant hors d'état de nuire d'autres terroristes. Mais c'est juste pour dire que l'insécurité est toujours au Mali. Mais on s'occupe des choses qui ne sont pas aussi importantes. Non, je crois que bon, moi, je ne suis pas très partisan de Goïta. Mais en même temps, je crois qu'on connaît des transitions. On ne peut pas dire que la révision constitutionnelle n'est pas dans... Vous trouvez ça mieux, trop dur? Oui, ça. Un peu trop. Mais après, je ne donne pas raison. Et je ne donne pas raison à Goïta. Mais déjà, Imam, il est à la base de l'arrivée de Goïta. Voilà. Il faut qu'on soit clair dessus. Oui, c'est clair. Celui qui a chassé un président démocratiquement élu qui n'était pas un militaire. Et il savait bien qu'en demandant le départ de Ibeka, ce n'est pas le président de l'Assemblée qui allait prendre. Mais c'est bien un militaire qui allait chasser et prendre. Donc, il le savait. Donc c'est lui qui a créé... Oui, il a créé un monstre qu'il attaque aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est entre guillemets le monstre, hein, c'est une façon de parler. Ouais, ouais. Maintenant, on ne peut pas dire que ce n'est pas le rôle d'une transition de faire voter une nouvelle constitution. Au contraire, c'est qu'il y a une transition parce qu'on veut passer d'une étape à une autre. Une transition dirigée par les militaires. C'est aussi ça l'inconvénient. Non, on parle de transition, quel que soit... Celui qui l'a dirigé. Prenez l'exemple du Togo, c'est la transition qui a proposé la constitution de 92. Mais tout ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un large consensus. Que la constitution vienne de Goïta ou pas, c'est qu'il faut qu'une grande majorité des Maliens s'accordent sur le contenu. Mais là, c'est là où Imam a raison. Je crois que sur le contenu, le colonel n'a pas fait l'effort d'avoir un large consensus autour. Mais on ne peut pas lui reprocher de vouloir faire voter quand même une constitution. Mais après, moi, je crois qu'on n'est pas ici pour faire le procès de Goïta, s'il gère bien faire son bilan. On parle d'une affaire qui jette un peu de discrédit sur l'image même du Mali, parce que c'est un chef religieux. Et on sait que ce pays est assez religieux, surtout... côté islamique. Et donc, qu'un chef religieux arrive et où on l'attendait pour l'accueillir parce qu'il allait décrocher un poste international pour le pays, que ce soit avec des gaz lacrymogènes. Mais après, on ne peut pas aussi dire forcément que Goïta a donné l'ordre. Et quand on parle de gaz lacrymogènes, ouais, On est intéressé, Germain Pouli, on va marquer juste la pause pour le journal. Les sujets sur le Mali sont toujours passionnants. On revient pour la suite.